Je travaille dans le déchet, je le transforme en engrain biologique, c'est-à-dire amendement de sol, biochar. L'idée est partie où il a fallu pour nous concilier l'insalubrité, l'agriculture et la santé. Selon un rapport de l'OMS, environ 1500 Congolais, enfants et adultes, mouraient chaque année à cause de l'insalubrité. Si nous réussissons à gagner ces prix, nous réussissons à acheter le moteur et puis le matériel roulant pour nous permettre de récupérer une grande quantité de déchets et aussi après la production, nous arrivons à distribuer à travers la République. Présentement, c'est la province de Kinshasa et pas Congo que nous ciblons pour distribuer nos produits. Je m'attends à réussir et à gagner ces projets.